Alain Profian, bonjour. Vous Bonjour. êtes titulaire de la chaire processus morphogénétique et une idée qui vous tient à cœur, c'est l'instabilité du vivant. Vous pourriez nous définir ce concept? Oui, je peux vous le définir. Ça veut dire que le vivant est instable. Quand ce n'est pas une machine qui est arrivée à un sommet à un moment et qui se dégrade progressivement jusqu'à la balance dans le néant, c'est quelque chose qui se détruit, se construit en permanence à tous les niveaux des structures du vivant, le génome, les membranes, les cellules. Donc il y a de la destruction, il y a de la réparation. Et ce n'est pas toujours parfait. Ça permet d'ailleurs l'individuation, si vous voulez. C'est-à-dire que ça permet à l'individu d'évoluer. Donc sur la base de cette instabilité, il y a de l'apprentissage, d'une certaine façon. Mais il y a aussi évidemment des instabilités qui se réparent moins bien que d'autres, et ça s'appelle le vieillissement et ultimement la mort. Voilà. Oui, mais l'instabilité du vivant, ça a... C'est instable parce que tous les éléments sont en permanence soit refabriqués, avec des cellules souches qui existent chez l'adulte, soit cassées et réparées, par exemple l'ADN. L'ADN, c'est très instable. Vous savez, ça me fait rire, moi, quand les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on fasse des organismes génétiquement modifiés, parce qu'il ne faut pas modifier le génome, parce que ce serait un texte sacré. Mais le génome, il se tripote très bien tout seul, croyez-moi, hein, il n'y a pas de problème. Ça se casse, ça se répare, ça saute, ça s'insère. Si on y pense, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Hein. Mais tous les concepts présents de médecine régénérative, par exemple, sont fondés sur cette idée qu'on peut refabriquer à partir de cellules souches, par exemple. Donc, beaucoup de maladies, oui, sont liées à des réparations mal faites. Hein. Puis à la fin, bon, ben voilà, quoi, la chose est irréparable. Voilà.